Elle n'a jamais quitté Hénard. Elle y est née, elle y travaille, ses parents sont nés là aussi, ses grands-parents. Elle, c'est Pauline. Elle est infirmière libérale, elle élève seule ses deux enfants. Pauline a plutôt le cœur à gauche, bercé par les discours de son père communiste. Mais Pauline est aussi confrontée à la dure réalité de la vie dans les cités minières. La gynéco, elle est partie. Maintenant, c'est un homme. Mon mari, il veut pas. On est en France au 21e siècle. Je vais lui dire deux mots, moi, à votre mari. La jeune infirmière est attentive au monde qui l'entoure. Touchée par la rudesse de la vie, elle se laisse atteindre par le discours de son mentor, un médecin de famille. On m'a chargé de trouver un candidat pour les municipales et j'ai pensé à toi. Et ça serait sur une liste du Bloc patriotique. C'est quelqu'un comme toi que les gens attendent, proche d'eux. Le Bloc, c'est un parti nationaliste. Sa présidente, une blonde plantureuse, son discours un peu formaté, dispensé aux militants attentifs, son service d'ordre issu des groupes identitaires. Le spectateur a parfois l'impression que Lucas Bellevaux en fait un peu trop, mais le réalisateur s'en défend, et notamment pour ce qui concerne les gardes du corps de Marine Le Pen. Si, ça existe. On l'a vu avec les Femen il n'y a pas longtemps. On l'a vu avec des journalistes de Canal+. On l'a vu avec la Maison Flamande jusqu'il y a un an. On le voit avec la Citadelle aujourd'hui. C'est un parti qui génère de la violence et qui s'y prépare. On est presque au pouvoir. Ça fait 40 ans que je me bats pour ça.